OK! Dernier pack! Dernier gros pack, en tout cas. Un mauve et ça va être Marie-Philippe Poulin. Oh! C'est bon, ça, je pense! C'est bon, ça, je pense! C'est-tu, genre, les power-ups, ça, ou le bonus, on s'en va les couilles? Il parle de quitter le jeu, revenir. Mick, ouais, l'affaire, c'est que si je quitte le jeu, comme je fais le live directement avec la PS5, ça va bugger. Donc, sache. Pour upgrade les X-Factory. Yes! Yes! Pardon. Pardon, mais c'est bon, là. Dans un, j'en ai deux, là. J'en ai un que j'ai reçu tantôt, je sais pas trop quand. Et là, j'en ai un autre. Déjà deux pour augmenter Matthew Ketchuk, c'est bon, là. Numéro 25, ça, c'est tristement bon. Let's go! Quelle décision d'en ouvrir un deuxième! Ça fait trois cartes, j'ai un power-up et j'ai The Breadman. Et j'ai The Breadman. Pour le début de jeu, Panarin, c'est crissement bon, même. Je m'excite sur un 83 overall. Le pack de malade, man. Un numéro 25, Panarin et Barzal. OK. Bon, le Gounin, on descend son temps. What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck? C'est quoi ce pack de débile? Et c'est pas fini. Je sais plus quoi dire. Une carte spéciale, temps fort. Yo man, ça va. Yo, je sais pas. Yo, envoyez ça à Nasher, envoyez ça à Tactic et tout. Je suis sans mots. On va continuer là, c'est un peu. De toute façon, man. Peu importe ce qui se passe dans le reste du pack, c'est une violente réussite, man. Une carte, c'est quoi ça? C'est quoi cette carte-là, man? Et regardez... Bon, finalement, ces deux-là, on peut les kisser out. Faites juste regarder cette image-là. Un pack, là. Je parle bien à servir. Un pack! Incroyable. Bon, ben ça va se retrouver sur YouTube en mode petit montage avec de la musique puis des effets, man, d'explosion, là.